Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Let's Play les amis sur God of War. Ça y est, j'ai enfin ce jeu, donc écoutez, c'est parti, donc God of War, donc tout simple. J'aurais préféré un autre titre, enfin un titre un peu plus long, hein, si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est pas le premier God of War. Donc voilà, il est sorti vendredi dernier. Alors je sais pas à quel moment cette vidéo sera mise, mais bon. Donc du coup nous sommes partis, donc exclusivité PlayStation. Alors je dis activer le HDR. Régler jusqu'à ce que les détails soient tout juste visibles sur les deux moitiés de l'image. Ouais, ça change pas des masses. On va rester à 50. Donc c'est parti, donc là je suis sur PS4 Pro les amis, donc Santa Monica Studio. Très bon studio, hein, celui-là qui a fait Mod Nation. Santa Monica et surtout les God of War. Hein. Et bien du coup nous sommes partis, alors peut-être des sous-titres, s'il y a. Voilà, sous-titres. Voilà, parfait, sous-titres. Et donc du coup nous sommes partis, alors attendez, je vais mettre un petit peu de son pour moi, et c'est parti. Alors, espérance équilibrée, défi God of War, ah oui. Alors histoire, le mode histoire s'adresse aux joueurs qui désirent découvrir l'histoire sans vivre une expérience de jeu trop ardue. Le mode expérience équilibrée s'adresse aux joueurs qui veulent une aventure raisonnablement difficile. Défi, le mode défi s'adresse aux joueurs qui cherchent une expérience de combat plus exigeante, et God of War. Le mode God of War s'adresse aux joueurs qui veulent un niveau de difficulté extrême, exigeant des réflexes dignes d'un dieu et un bon sens de la stratégie. Remarque, cette difficulté ne peut être modifiée en cours de partie pour la modifier et démarrer une nouvelle partie. Ok. Et ben nous allons prendre expérience équilibrée. Alors, à savoir les amis que c'est mon premier God of War sur la chaîne. Même s'il y a un God of War, j'en ai déjà fait un, mais c'est celui-là, j'en ai fait un sur PSP, donc ça compte pas vraiment. Donc voilà, c'est le premier God of War que je vais faire. Donc, expérience équilibrée, je pense que ça me paraît bien. Allez, c'est parti. Appuyez sur 1 pour donner un coup avec la hache Léviathan. J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Ah, Kratos te prend un tronc d'arbre comme ça. Truc de fou. Et en tout cas, le jeu est magnifique. Si vous voulez mon avis. Toujours que je l'attache au bateau. Il est magnifique ce jeu. Hein. Franchement, très très beau.
Atreus. Ça suffira. Les arbres marqués descendent dans la rivière. Bon, eh bien, c'est parti, hein. Père ? Quoi ? Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Ça va être stylé, cette relation entre le père et le fils, entre Kratos et Atreus. Ça va être vraiment pas mal, hein. Il te le prend plus en un bras. Hein. Truc de fou. En tout cas, ça, c'est très stylé. Hein. C'est, si vous reconnaissez, hein, c'est la hache a le même décor que la PS4 Pro God of War, justement. Édition que je trouve assez stylée, quand même. Elle est vraiment pas mal du tout. Bon, là pour l'instant c'est la petite intro, hein, les amis. Donc God of War, c'est le premier, hein, de cette PS4. C'est le premier vrai God of War de cette PS4. Or remake et autres. C'était le dernier. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Elle est prête. Tu es libre.
Je suis désolé. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as bien chassé ? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Chasser avec Atreuse. Bon. Faire. Pourquoi on fait ça maintenant ? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne. Ça dépendra de toi. Allez. Qu'as-tu trouvé ? Des traces. Mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. Je vais sur option, puis sur triangle pour accéder aux paramètres de caméra. Oh, sympa ! Ah, on a un niveau de force. Visiblement, tous les jeux sont avec des niveaux maintenant. Poignée en bois, c'est quoi ça? Poignée en bois. Ah, c'est la poignée de mâche! Ah ouais! D'accord, et ça c'est quoi? Attaque runique rapide, attaque runique puissante. D'accord. Ah, c'est des gemmes. Ok, bref, c'est intéressant. Après, ma hache, on pourra la, je sais pas, augmenter. Donc, force, rune, défense, vitalité, chance, récupération. Ah, c'est... C'est intéressant, donc de force augmente les dégâts infligés par les attaques normales. Simple. Ruine augmente les dégâts infligés par les attaques ruines et les dégâts élémentaires. Donc je pense que c'est ça qui va taper le plus. Donc défense réduit tous les dégâts subis. Ouais. Vitalité augmente la santé maximum et réduit la réaction causée par les attaques ennemies. Chance augmente les chances d'activation d'atouts et les gains d'XP et d'argent. Ouais. Récupération réduit le temps de récupération des attaques runiques, des invocations runiques et des talismans. D'accord, ouais, c'est assez complet, hein. Ah, on a même l'armure. Ah oui. Et ça, c'est quoi, talisman? Ok. Ah ouais, on va avoir des armures plus tard. Qui risquent d'être plutôt intéressantes. J'espère que ça ne va pas modifier mon Kratos. Enfin, j'espère. Si ça le modifie, tant pis, hein, on n'aura pas le choix. Et enfin, les compétences, bon, bah ça, c'est... C'est comme Assassin's Creed Origin, en fait. C'est, on dirait vraiment lui. Pour approcher, ouais, XP insuffisant, ok. Fierté du givre, ah, il y a beaucoup, il y a pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses. Ça, c'est pour les combats boucliers, ouais. Ah, c'est pas mal. Il y a plutôt, il y a pas mal de choses. Alors, tac, voilà. Et il y a même l'arc. Ah, l'arc que je n'ai pas encore. Ah, je peux... Ah ouais! Ah d'accord, je peux équiper aussi Atreuse. Enfin, Atreuse, je crois qu'il s'appelle. Atreuse ou Atreuse. Ah, je peux l'équiper aussi. Ah d'accord, c'est vraiment un jeu où il va falloir s'équiper pas mal. Bon, écoutez, on verra bien, on aura tout le loisir de le voir. Encore des traces? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula! Et maintenant? Bon, voilà, comme ça. Par ici, Atreus. Hop. Ah. Attends, des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici. J'arrive. Ah. Je l'ai trouvé. Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Ah, attendez, par contre, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça?
Précieuse retouche. Argent 185. Ok. Plutôt sympa. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser? Écarte-toi. Pour équiper la lâche de la diviante. Oh. Ah oui! Wow. Vas-y. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le voilà! Attends! Oh. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier! Tu ne tires! Tu ne tires! Que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Il est dur avec son fils, Kratos, hein. Mais bon. Oh là 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 là. Oui. Ah mais c'est jouissif le combat. Le combat est très sympa. Mais bon, c'est pour ça qu'on aime God of War, hein. Surtout pour le combat. Oula. Ok, les attaques puissantes, les attaques rapides. D'accord. Il va falloir se toucher avec le dos. Oula. Tiens, tiens, tiens. Pour bloquer. Oh, j'ai un bouclier. Tiens. Ah oui, c'est sympa, c'est pas mal du tout même. Ah, c'est bien dit. Bien vu, mais j'ai pas percuté. Tiens. Vestiaire mis à jour. Des drogars. Ils s'aventurent pas si près de nos bois d'habitude. Avance. Ah là là, Kratos il est dur avec son fils. Mais bon après, comme je vous l'ai dit, hein, vu que c'est de la survie et qu'il y a un monde hostile, il a pas tort non plus. Trouver des pierres de guérison pour sortir de santé. Ok. C'est très intéressant. Bon bah ok, cool hein, on a toute notre santé. Bon là c'est le petit didacticiel les amis, hein. C'est pour vraiment nous apprendre. Mais ouais, le combat est très jouissif. Ah bah le voilà le cerf. Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. C'est bizarre, c'est que ça se prononce Alterus, le nom du fils, mais ça s'écrit Atreus. Enfin, j'ai l'impression. Hein. C'est peut-être Atreus. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Le moment. Là, regarde! Ah! Le combat jauge de santé des ennemis apparaît au-dessus d'eux lorsqu'ils subissent des dégâts visés par Kratos. Tiens.
Oh là là, je me suis paré là. Au bon moment, les amis, vous avez vu. Bim. Merci de m'attendre. Tiens, tiens. Voilà. On les démonte, nous. Bon, et bien ça, je prends. Allez, dégage. Voilà. Calmez celui-là. Bon, dommage, j'ai subi un petit dommage. Mais bon, c'est pas très très important. Maintenant c'est la hache. Ah, par là. Tu l'as figé. Pas bête. Bon. Ah, maintenant je dois quoi? Je dois le remettre normal? Solution. Ah, ça je m'en rappelle. Ça, dans le God of War que j'ai joué, il y avait. C'est un classique de chez classique. Il n'en a plus l'utilité. Nous aussi. Ah, je crois savoir. Ah, voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Oh, un deuxième coffre. Il est parti par là. Attends, d'abord je prends le coffre et j'arrive. Cool. D'abord, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, décidément, il y a pas mal de trucs à récupérer, hein. Toi, je peux pas le casser, j'imagine. Ouais, ça aurait été trop bien, mais... Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Aïe. Non, je pensais pas que c'était... C'était du feu. Bon, la prochaine fois, je le saurai. Qu'est-ce que c'est que ça? Atreus, par ici. Oh, regarde, c'est Scoliati, les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? Comment ils sont arrivés là-haut? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Ils dévorent le soleil et la lune et après ça, tout le monde se bat. Notre aïe au-delà du mythe. Eh bien. Il a l'air vachement gros, ce jeu. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, bon là je crois que c'est fait. Connaissance ajoutée, nouvelle fresque trouvée. Ok, bon il va falloir trouver un peu toutes les fresques. Bon, et ben écoute, nous sommes partis pour aller chercher le cerf. Bon, on le cherchera au prochain épisode, donc j'espère que ce aspect va vous plaire les amis. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Allez, bye tout le monde.